Bonjour, hier en commission des affaires culturelles, nous avons approuvé les crédits dédiés au soutien de la culture et des médias dans le projet de loi de finances 2022. Alors pour la culture, fait notable, on dépasse les 4 milliards d'euros que consacre l'État au soutien des jeunes, des territoires et des artistes. Ce sont les trois priorités de ce budget dédié à la culture. Et on a aussi approuvé le budget concernant les médias, les industries culturelles et l'audiovisuel public. Les médias et le soutien de la presse sont en progression de plus de 2%. C'est très important pour lutter contre la désinformation et pour partager le débat public, les faits d'actualité. Et ça, on doit le faire aussi bien auprès des médias audiovisuels que des médias de la presse écrite. Le livre, c'est important cette année parce que la lecture est la grande cause nationale. Alors le Centre national du livre reçoit aussi plus de financement, à l'instar du CNC qui s'occupe du cinéma, mais aussi du CNM qui s'occupe de la musique. Nous les avons approuvés en commission des affaires culturelles. On se retrouve en hémicycle pour les approuver, je l'espère et je n'en doute pas, le samedi 6 novembre. C'est un samedi, mais le budget, c'est vraiment une actualité très intense dans nos vies de parlementaires. Le samedi 6 novembre, on soutiendra également la culture et les médias.